Sammy Frey, nous sommes en Avignon, et Avignon, c'est une longue aventure à laquelle la musique a souvent été associée. Et Maurice Jarre a été le compositeur du Festival d'Avignon au début avec Jean Villard. Et ses disques viennent d'être de nouveau publiés, les musiques de scène de Maurice Jarre. Et je vous propose de découvrir avec Georges Bégout et Delphine Le Gouef le retour de Maurice Jarre ici même au Palais des Papes en Avignon. Retour aux sources en Avignon pour Maurice Jarre, 34 ans après avoir quitté les hautes murailles du Palais des Papes pour les collines d'Hollywood. Quel lieu! Un lieu scénique extraordinaire. Hein. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'était là où on mettait l'orchestre. Et alors, c'était là, là-haut, sur les tours où on avait les trompettes. Il y en avait trois là-haut. Il y en avait trois là-haut. Comme Villard voulait que la musique colle au texte, il fallait donc que je fasse très attention. Et puis tout l'orchestre était là, il y avait une magnifique réverbération. On avait l'impression, avec 15 musiciens, d'avoir 50 musiciens. Alors, ça, c'était... Ainsi naquirent les 34 musiques publiées aujourd'hui, dont celle du prince de Hombourg. Répondez, est-ce encore un rêve ? Pour les costumes, le patron du TNP faisait appel à des peintres de talent comme Gichia. Et ces costumes, on peut les admirer à la maison Jean Villard pendant toute la durée du festival. C'est une chose qui continue à vivre, tous ces costumes. Je vois les têtes déjà, là. Maria, Gérard, Villard, évidemment, Noiret. Souvenirs, nostalgie, photos, ah les photos, et le culte des lieux. Ce restaurant, on a vu beaucoup et on a entendu beaucoup. Ah, ah là, là, c'était fantastique. Et il y avait Gérard Philippe dans les buts. Et moi, je jouais ailier droit. En ce temps-là, les comédiens se mêlaient à la population avignonnaise et quand ils jouaient contre l'équipe locale, ils ne faisaient pas semblant. Je le dis toujours, je donnerai tous mes Oscars, tous mes prix pour revivre les 12 années, même une année de cette époque Villard. Vraiment, Théâtre National Populaire Villard, c'était superbe. Des musiciens fantômes pour un chef bien vivant, le temps d'un rêve.